Vous êtes toujours sur Mizen TV pour la suite de notre émission consacrée au mortasilisme. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir toujours de recevoir avec nous Fakar Korshan. Bienvenue Merci. sur Mizen TV. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la Renaissance de l'Islam Mouhartazilite. Alors, Fakir, vous avez présenté les, les principaux piliers de, de doctrine, les points de doctrine du Mouhartazilisme, avec des repères historiques, des noms d'un de, 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 certain nombre de, de figures du Mouhartazilisme. Euh, L'action que je voulais vous poser, c'était de savoir comment vous vous définissez pré précisément. Est-ce que vous vous définissez comme Mouhartazilite au sens classique euh, de, de ce terme ou est-ce que vous définissez comme néo-mortazilite En gros, est-ce que vous assumez tout l'héritage de cette école théologique Alors, euh, moi j'assume complètement l'héritage de, de, de cette école théologique. Euh, pour moi, en fait, ça, qu'on dise mortazilite ou néo-mortazilite, pour moi c'est pareil. Pourquoi Parce que le mortazilisme est une, est une pensée, est une théologie qui euh, s'appuie sur l'approche rationnelle, c'est-à-dire sur l'idée on doit comprendre sa foi de manière intelligente, et qui dit intelligente forcément on va la comprendre avec l'intelligence de son époque donc c'est un peu dans ces termes si vous voulez qu'on est à la fois mutazilite et néo-mutazilite, parce que si on prend, allez, euh, Matazili de l'époque de Wassal of Arata et qu'on prend un Matazili de l'époque du Qadr de Jabbar par exemple, donc 3-4 euh, siècles plus tard euh, je ne suis pas sûr qu'ils disaient les mêmes choses surtout, et si on prend encore quelqu'un euh, comme euh, comme euh, Ibn el Hadid au XIIIe siècle, qui était aussi un maratazil de l'époque. Est-ce euh, que Wasr ibn Ata, Abd al Jabbar, Ibn Abil Hadid disaient la même chose Je ne suis pas sûr non plus. Mais en fait, pourquoi Parce que tous partent du principe qu'il y a l'effort rationnel qui doit être fait, cet ejtihad en fait, et que cet estihad c'est une obligation dans la pensée maratazila. Et ce n'est pas, pas simplement quelque chose de. Et donc, y compris dans le, la théologie dans le, le, le calem partout, partout, parce que si on, on, lit, le, on lit le texte coranique euh, après la révolution galiléenne, est-ce qu'on le lit encore de la même manière La révolution galiléenne, je le rappelle rapidement, c'est vraiment l'idée de dire, euh, Galilée nous dit euh, un texte du XVIIe siècle, euh, le, la nature, l'univers, donc la nature, l'univers est un livre écrit en langage mathématique. Quelle est l'implication de dire ça L'implication de dire ça, c'est que finalement la nature, elle se décompose en équations. Tout est connaissable, tout est maîtrisable. Tout, tout finalement relève de notre capacité de contrôle, au final. Et donc, selon cette acception de la nature, donc fait, ce qui fait que la nature sort d'une de, de, conception un peu antique, où la nature, nature était présentée comme un, comme un guide, comme un sujet à part entière, et finalement, elle passe de sujet à objet de maîtrise et de connaissance, donc forcément, on n'a pas le même rapport. Forcément. Forcément, quand on va lire le Coran, on ne va pas lire de la même manière les versets qui nous parlent de la cosmologie euh, ou de la cosmogonie, c'est-à-dire les différents genres du cosmos, euh, on ne va pas l'aborder de la même manière. Donc forcément, on est toujours néo- quelque chose. Allez, sortons du moutazilisme. Euh, Est-ce qu'un malikite aujourd'hui est la même chose qu'un malikite il y a Allez je ne vais pas aller autant de Melek, mais j'ai allé au temps un siècle en arrière. Un siècle et demi en arrière. Ben, je ne pense pas. Pour une raison. D'un point de vue historique, on sait que depuis le travail de ibn Tahrbnarashour, la notion de maqasid et sharia est devenue très importante. Mais juste avant cette période-là, dans la pensée malikite, il était hors de question de penser de Makrasid. Donc en fait, est-ce qu'on est dans du malikisme aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas dans un néo-malikisme Et el hanbalisme, et Shaféisme, et Hanafisme, alors le Hanafisme est encore plus marquant. Le hanafisme entre le hanafisme d'Abu Hanifa et d'aujourd'hui, c'est pas hiatus, c'est C'est euh, le, le hanafisme d'aujourd'hui, même par rapport aux grandes figures du hanafisme, c'est... Aujourd'hui, beaucoup d'éléments de, 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 hanafiques qui ressemblent beaucoup à du salafisme. Alors que c'est pas du tout dans les, Même pas dans les gènes du hanafisme. Donc en fait... Les courants évoluent, sont, et, ils sont pénétrés par d'autres influences. Et, et ça, et ça j'ai pris des courants du genre malikisme euh, ou hambalisme, qui sont quand même des courants euh, littéralistes, entre guillemets. C'est-à-dire que de ce qu'on appelait les hijazines, c'est-à-dire ceux qui s'en remettaient au texte, au nas. Et donc, ils sont dans la reproduction, hein, dans le taqlid. Alors que le Hanafi et le Mu'attaz, sont plutôt dans l'approche du haql. Donc, le jtihad al-haqli. Et, et là, le problème, c'est que l'effort d'interprétation fondé sur la raison c'est ça, c'est à dire oui. qu'on est toujours dans du néo même quand on ne s'en réclame pas de, de la démarche rationnelle mais alors on est encore d'autant plus quand on est dans une démarche rationnelle comme le mortagélisme donc c'est pour ça que moi en fait je ne fais pas de distinction néo par de... définition le mortagélisme pour vous s'adapte à son époque bah, ça, et il n'est ou... pas réductible aux positions de, de, des grandes figures du passé et ça ne veut pas dire qu'il y a une désolidarisation par rapport au passé oui. ou en disant qu'on n'a rien à voir avec le passé pas du tout pas du tout. Vous y a assumez l'héritage. quoi. Ah, Complètement. complètement. Pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Néomoutazilisme, parce que, parce que pour beaucoup de gens, ils se disent qu'il n'y a pas de moutazilite. Et donc, euh, quand il y a. Bah, si, je suis là, par exemple. <laughs> euh, il a plus que moi, heureusement. Mais quand, quand je dis ça, et, et, on se mais oh, bah, c'est du néomoutazilisme. Bon, ça vous fait plaisir à appeler ça néomoutazilisme. Moi, dans ma tête, je suis Je ne suis pas dans ma tête, je suis néomoutazili. Comme un mélé qui ne se dit pas je suis un néomélé qui. <laughs> je suis mélé même si après, mais liquide par rapport à un siècle et demi en arrière, ça n'a rien à voir, bah, il est quand même mal liquide. Moi, c'est la même chose. Moi, je suis moirtaziliste, c'est tout. Alors, pour, pour quelles raisons finalement Alors là, on va, on va poursuivre un peu sur les questions de, de doctrine. Pour quelles raisons le, le moirtazilisme a-t-il été jugé euh, hétérodoxe par, euh, par les écoles sunnites notamment hein mmh. euh, Voilà, bon, il y a, y a la fameuse doctrine du Coran euh, créée. Alors, voilà, peut-être aller sur, euh, sur ce terrain-là pour expliquer oui. euh, qu'est-ce quel, quel, qu qui a fondé sa, cette, euh, ce rejet ou, euh, ou cette disqualification euh, de la position théologique du mot Alors déjà, peut-être expliquer ce que signifie le Coran, euh, la, oui. la doctrine du, donc, du, alors, du Coran créé, pardon. Le Coran créé, en fait, c'est un, un corollaire, si j'ose dire, de, du tawhid. L'idée du tawhid, c'est l'idée que Dieu est un et absolument un. Donc au surat al ikhlas par exemple, c'est qu'on dit valoir le tiers du Coran, alors que c'est un... C'est un chapitre qui fait trois ou quatre versets. Hein. C'est très simple. L'idée, c'est de dire, dans l'islam, que l'islam euh, conception l'unicité absolue de Dieu. Et Dieu est absolument un. Dire ça, veut dire qu'il ne peut avoir qu'un seul éternel. L'éternité est un attribut typique, si j'ose dire, de la divinité. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre qui est éternel à Dieu si ce n'est Dieu. Bon. Quand on dit que le Coran est un créé, Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue euh, dans le sens Parce que beaucoup le disent, mais c'est quoi le sens C'est de dire que le Verbe divin s'est incarné dans un texte. Nos frères chrétiens disent le Verbe divin incarné en un homme, c'est le Christ. Donc le Christ est un créé. Dans la pensée chrétienne, Christ il y a la double nature. Il y a la double nature. La double nature du Christ. Euh, double nature après, du Christ. ça dépend des. des voilà, mais oui, c'est vrai mais que dans le, dans le catholicisme. Majorité. Voilà, euh, on parle. Catholique, euh, voilà. protestants, majorité des protestants Alors. et la, les orthodoxes, euh, le, le Christ est Dieu et, et euh, est humain. C'est ce qui pose problème justement dans, dans, dans la théologie. Voilà. Euh... c'est un double nature du Christ, mais c'est quand même l'idée du, du Verbe incarné. Oui, bien sûr. Le Verbe incarné est donc un créé dans la pensée chrétienne. Dans la pensée qui devient sunnite pour le coup parce que petite parenthèse le Coran créé est quelque chose de commun à toutes, toutes les obédiences musulmanes sauf le sunnisme les chiites Coran créé les ibadites Coran créé et tous les groupes akhrawites et les moutazilites Coran créé le seul qui dit Coran a créé ils sont quand même majoritaires c'est le sunnisme bon je ferme la parenthèse sur ce point de vue là donc il y avait pas que les moutazilites qui ont dit que le Coran créé. Qu est créé qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire le Coran si on le considère comme le verbe divin incréé et matérialisé dans, la, dans le texte, c'est l'idée derrière de dire que le Coran est parfait, qu'il y a tout dedans. Puisque c'est un bout de Dieu, donc c'est Dieu. Donc c'est un bout de l'éternel est éternel. Vous voyez ce que je veux dire Et donc à partir de là, le Coran, il y a tout dedans. Et le Coran devient une manifestation du divin sur Terre. Les Matazela, ils ont dit non, ça ne respecte pas le Tawhid. Puisque finalement, ce qu'on reproche aux chrétiens, ben on le fait. Quand on dit aux chrétiens, euh, vous confondez message et messager, ben en fait, on fait la même chose. On a pris le message et on en a fait le bout du, du, de l'émetteur du message. Sauf que là, ce n'est pas le messager, euh, le prophète. Ce pas le prophète, là, c'est le texte. C'est le message. C'est le message, exactement. C'est comme une conflit. différence importante. C'est une différence importante, mais au final, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sort du, du Dieu un et éternel et on lui associe quelque chose qui est co-éternel. Puisque s'il est un créé, un créé ça veut dire éternel. Donc on a l'éternel Dieu et puis on a à côté le Coran. Mais j'irai plus loin, parce que c'est une question que vous n'avez pas posée mais qui, qui, est un peu, qui va avec. C'est la question des attributs, des, des attributs et de l'essence. Elle s'est faite, elle va être aussi faite. Par exemple, puisque ça va dans le même sens, hein, quand on dit... Dans la pensée sunnite, par exemple, Allah, Azzawajal euh, il sait toute chose. L'omniscient, il, il, est est il a la science. Bon, est-ce que il sait parce qu'il a un attribut qui est coéternel à son essence Donc il y a l'éternité, il y a Dieu, l'essence, et puis il y a quelque chose qui lui est coéternel en dehors de lui et qui lui permet d'être omniscient. ont dit c'est dangereux de dire ça puisque si on dit ça, l'attribut devient extérieur à l'essence et ça crée une coéternité, exactement comme la question du corps incréé. créé pardon. dit non, Dieu est certes omniscient, mais cette science, elle fait partie de son essence. Il n'est pas omniscient parce qu'il a un attribut qui serait séparé de son essence, qui serait l'omniscience, mais il est omniscient parce qu'il est Dieu, parce qu'il a de dettes il est Donc il n'y a plus de distinction entre l'essence et les attributs, puisque tous les attributs sont dans l'essence et toute l'essence est dans les attributs. Alors attention. Comme on on dit dans, dans Non. Enfin, bon, c'est une il manière relève, de s'exprimer. Il, oui. il relève de l'essence. Il relève de l'essence. Et d'où Abou Hesh Améjoubé, dont je parlais tout à l'heure, quand il dit qu'en en fait ce sont des ahwèl, des hal, ce les sont des étapes, modes. Hein. Il y a des modes de manifestation du divin qui ne changent rien à l'essence. Ce sont les modes, le, le, le savoir, la vue. Euh... Puissance et acte, c'est-à-dire les attributs seraient en non. puissance dans l'essence et, et dans leur manifestation ils seraient en acte. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça comme ça euh, pour, pour comprendre la distinction, parce que sinon effectivement, pourquoi distinguer les sens des attributs si les attributs et les sens sont une seule et même chose Oui. En Donc fait, pourquoi les la... distinguer Ou on, com on comment les distingue on les distingue Parce que justement, en fait, ces catégories-là, on les crée nous, êtres humains, parce que nous sommes limités et qu'on ne peut pas comprendre les limités. Et qu'à un moment donné, on passe par des catégories que l'on crée pour savoir de quoi on parle quand on en parle, de dire que Dieu est omniscient, que Dieu est tout-puissant, que Ça Dieu est, est entendant. Temps. Hein? Dieu le dit dans le Coran, oui, il le dit mais parce divine, que le, 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 la parole telle tel qu'elle. Oui. La, la parole, elle s'adresse à une intelligence mm. limitée. Donc elle va parler, elle va prendre un, un, un vocabulaire que celui qui entend, qui est donc le réceptacle de ce message, peut comprendre. Peut comprendre. Et donc nous, on se crée des catégories pour comprendre. Et donc quand cette création de catégories, ce qu'on est en train de dire, créer, un créer, pour Dieu, ça change rien. Mais c'est nous, en fait, c'est notre compréhension à nous. Et donc, nous, la pensée monatasiale, c'est de dire quoi Pour défendre l'unicité absolue de Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul éternel, c'est Dieu. Il ne peut avoir qu'une seule essence, c'est l'essence divine. Même si elle a des modes, encore une fois, des modes qui sont des catégories que nous, on crée pour qu'on arrive à comprendre, pour qu'on arrive un peu à, à avoir une idée. Mais Dieu en tant que tel, c'est Z, c'est l'essence divine. Voici faites ne sont jamais que des Z. C'est aussi une des choses qu'on a. On a enfin, on dit qu'on nie les attributs. Ce n'est pas qu'on les nie, c'est qu'on en a une compréhension différente. C'est ça, en fait. Alors, est-ce que, est que finalement, il euh, n'y a, euh, a pas moyen de, euh, de comprendre le fait que Dieu manifeste sa parole, ou que la, sa parole serait une émanation de, de son être, sans être son être lui-même, c'est-à-dire son essence, euh, puisque euh, dans la discussion euh, qui est la nôtre, vous expliquez qu'il fallait absolument distinguer l'unité, l'unicité de Dieu et son éternité, etc., et qu'il ne pouvait pas y avoir une coéternité donc, comme s'il y avait une, une partie de la divinité qui, qui ferait face à la divinité, pour, pour, pour l'exprimer comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer le, le, ce qui serait une émanation, une manifestation du divin qui ne serait pas le divin lui-même, de la même manière qu'un que verset, enfin un signe coranique dit nous, avons, nous allons insuffler de notre esprit en lui, on a fait in Donc l'esprit divin est, est insufflé dans l'homme mais euh, ça ne fait pas euh, de l'homme une divinité ah ben, là là on serait d'accord pour dire ça mais mais, mais, mais ce n'est pas non plus une création parce que l'esprit émane de Dieu donc dieu euh, donc il peut pas être créé mais voyez. il est créé l'homme lui l'homme en tant que forme oui. etc là je parle de l'esprit de l'esprit oui. qui est insufflé dans l'homme l'esprit est divin oui. donc on ne peut pas dire que Dieu va créer l'esprit puisqu'il dit nous allons insuffler de notre esprit n'est-ce pas est à fait, Donc, ouais. il ne crée pas, l'Esprit étant sa nature et Dieu étant un créé de lui. Mm. Euh, donc, est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, considérer qu'il peut y avoir une analogie de, de cette nature-là entre le Coran qui est l'émanation de la parole divine Alors, là, on parle du Coran, après peut-être faire la distinction avec le Mus'haf je ne sais pas, euh, oui. en, en, en tant que livre, je ne sais pas. Oui, oui. Mais voilà, euh, plutôt que oui, d'aller en fait, créer un créer est-ce qu'il est qu n'y a pas d'autres propositions oui, possibles C'est un peu la, la proposition acharite du kalam nf nafs la parole qui qui serait euh, la parole incréée euh, de Dieu, qui serait donc euh, dans une sorte de sphère céleste, et puis l'émanation qu'on a du Coran, où euh, effectivement il y a cette idée d'incréer dans... Alors j'ai peur de, 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 de gâcher, en tout cas de ne pas dire respecter la formule acharite, mais c'est l'idée de dire qu'il qu serait incréé d'un côté, mais le Coran comme à nous, il est créé. Bon, D'accord. C'est un peu là dans la théorie acharite. De, donc la double de, de, nature du Coran. En quelque sorte, je, je ne sais pas euh, si vous. Non, ça vous rappelle quelque euh, chose. Voilà, c'est intéressant. <laughs> mais, ça ouais. vous rappelle sans doute quelque chose. Alors, moi, dans l'idée, c'est de dire ce qui me pose problème dans le KLM-NEFSI, comme on a appelé ça dans la pensée de H.A.R.I.T. c'est le KLM-NEFSI, c'est la parole euh, éternelle qui serait euh, de Dieu. Euh, le problème, c'est comment on la conceptualise, comment on y a accès et que, à quoi ça renvoie in fine. Est-ce que c'est vête ou est-ce que c'est autre chose Si c'est vête et donc il y aurait vête. Et l'émanation... Donc l'essence divine. Pardon, l'essence divine. Ouais. Et qu'il y aurait la parole qui ne serait pas l'essence, mais qui serait une parole créée, comme, euh, comme l'être humain a été créé finalement. Pourquoi pas Après, est-ce que Ruh, euh, el Ruh, el Ruh qui, qui, qui est insufflé dans l'être humain, certes, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu et dans lequel le Coran nous dit qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'aventurer sur cette question du loi. Mais il, il le mais, répète plusieurs fois. Hein. Il y a au oui, moins deux versets, je crois. Où... Mais sur l'homme. Oui, sur l'homme. Mais, mais, mais Dieu met de, de lui-même, de son esprit, dans l'homme. Et là, cet acte-là n'est pas une création. De, je parle de la dimension de l'esprit, je ne parle pas oui, de oui, la oui, forme de l'homme. Oui, mais il n'empêche que ça anime quelque chose qui est créé. Et en fait, peut-être que dans la pensée à Charit, il y a cette, quelque chose qui relève de cette idée-là. Mais si c'est quelque chose qui relève de cette idée-là, c'est qu'on en revient in fine, en dernière analyse à dire que le Coran est créé. Et d'ailleurs, moi, ce que je pense que dans la pensée à Charite, il y a eu, il y a toute une construction pour dire, nominalement dire que le Coran est un créé, mais toute la démonstration, elle va dans le sens plutôt de démontrer que le Coran est créé. C'est-à-dire que le Coran, parce que le résultat des courses, c'est que c'est de dire que le Coran que l'on a entre les mains, il est créé. Donc il y a l'esprit et la lettre en fait. L'esprit du Coran serait un créé. Et, le, et, un... et la lettre serait créée, si c'est ça que je dire. Si j'ai peur de. Parce que ça, ce n'est pas mon point de vue. C'est le point de vue à charite. Donc j'ai peur de ne pas être respectueux de, de leur point de vue. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de cette idée-là. Mais même si on prend quelque chose de cette idée-là, bah, in fine, le Coran est créé. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on dit peu, c'est qu'elle a l'achari. Et donc toute cette pensée à euh, charite. À l'époque, va être considéré par les, les Hanabila, alors que Ach lui-même, c'est le patronage de, de l'imam han Ibn ah Hanbal. Pour les Hanbalites, il n'y a pas de différence sur cette pensée-là, puisque la prononciation est créée. Ça veut dire que la prononciation est créée dans cette euh, version à la charite. Pour les Hanbalites, ils n'ont pas fait de distinction entre la pensée Matazila et la pensée à charite. Ils ont dit, les deux infinis disent que la parole est créée. Et donc, ils ont, ils ont rejeté les deux. Et donc, il n'y a pas que ça. Ils ont rejeté d'autres choses. Mais au final, sur la question du Coran créé, il y a cette idée-là, cette idée que, surtout, il y a un enjeu qui, qui est... Alors justement, quel est l'enjeu Merci de l'aborder. Quel est l'enjeu de cette discussion, finalement Pourquoi est-ce mmh. si est important de déterminer si le Coran est créé ou incréé Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans Là, la déjà. manière d'approcher et d'aborder ouais. le Coran Première chose, c'est la question de conception. Est-ce qu'on est vraiment monothéiste ou pas Puisqu'il y, y a cette question de double, double éternité, et ça, ce n'est pas bon. La Maratazé, ils ont dit... Il n'y a qu'un seul éternel, c'est Dieu, et rien d'autre ne peut être éternel. Qu'est-ce qui répondent les, les euh, acharites ou les, ou, les, euh, ou les Hanbalites à cet argument-là euh, en fait, Parce que c'est un argument qui doit les faire bondir eux aussi, parce qu'ils sont aussi bah, à, à, attachés, enfin, oui. ils sont présentés comme attachés, de par leur orthodoxie, leur orthodoxie telle qu'ils la définissent eux-mêmes à une unicité radicale. Donc euh, ils répondent quoi C'est quoi leurs arguments vous, vous les chose, connaissez Il y a une chose qui, qui est à l'origine motrice dans les différences entre Matazélite et Hanbalite et même c'est que quand on regarde d'un point de vue historique l'histoire de la pensée, le Matazélisme se rattache à l'école koufienne. Les, les toutes premières écoles d'interprétation théologique qui remontent vraiment à l'époque, des premiers compagnons pratiquement, c'est l'idée de dire qu'il y avait deux approches. Donc Koufa euh, en Irak. Koufa en Irak et le Hijaz. Donc une, ville, une ville irakienne, voilà. voilà. Ouais. Et euh, l'Arabie occidentale. occidentale. Les deux approches étaient de dire les Koufiens disaient, euh, il y a un sens du vrai, il y a un sens du bon, du juste, indépendant de la révélation, et on peut y accéder par la raison. Et le Coran et la révélation et les enseignements des prophètes vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand ils nous disent faire une chose, peut-être que rationnellement on n'a pas été capable de le se rendre compte, mais c'est parce que cette chose, elle est bonne. Ça, c'est l'approche koufienne. Et donc la tizel se, se situe, le moutazilisme se situe dans cette pensée-là. Il y a l'approche du hijaz qui consiste à dire, c'est le taqlid, c'est euh, le vrai, le bon, le juste, nous sont donnés par un texte ou par un enseignement du prophétique ou euh, un dire. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas un effort rationnel à faire. Et le bien n'est pas indépendant de la volonté de Dieu, ou le vrai, le juste. Et donc il faut suivre les, ce qu'il y a dans les textes, le taqlid. L'acharisme, malgré un, un fonctionnement qui est très rationnel finalement, se rattache in fine à l'hijez, à l'idée du nasrbal, du, du nasr-awal, nasr, nasr c'est-à-dire que le nas, c'est le texte qui est source de tout. Comme le hambalisme. Et donc, eux, comment ils vont dire Hambalisme, c'est simple. Sur la question de théologie, il va dire arrêtez de nous parler du Coran créé ou incréé. La question ne se pose pas. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu, point. Oui, là, il n'y a pas ça. vraiment de théologie dans a, le ben Oui, le, le, la théologie... Il y a, il y a, il y a, dire on ne se prononce pas, on Exactement. se prononce pas sur le comment, des choses... Ce qui, qui n'a pas, pas de texte clair, on n'en parle pas. D'accord. Ça, c'est l'approche Hanbalite. Et donc, ne me posez pas la question. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Créons en suspension du jugement. Quelque part. Quelque part. Ce qui peut être aussi une attitude tout à fait tout acceptable, à fait. Euh, même philosophiquement fait. parlant. Tout à fait, même si après, petit à petit, on va quand même entrer dans la logique du Coran incréé, et on va défendre absolument bec et ongle le Coran incréé. D'accord. Alors qu'au final, bon, ça reste quand même. Euh, c'est une position. Interprétation, c'est une position. D'accord. L'acharisme va aussi donner un rôle très important au texte, et notamment à la sauna, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la sauna, mais contrairement à une idée reçue, les Maratazis n'ont pas rejeté la sauna dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'on a une approche critique de la sona, c'est-à-dire que la sona est vraiment la seconde source. Donc les paroles, euh, actes et consentements attribués au prophète, à cette salam, oui. selon la définition juridique tout à fait, classique. Tout à fait. C'est ça. Dans la pensée ma'tazila, ma il y a une place au hadith et à la sona à deux conditions. Première, euh, première condition, non-contradiction avec le Coran. Deuxième condition, non-contradiction avec la raison tout ce qui est hadith bizarre, irrationnel, illogique, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il est mauvais. Peut-être qu'on va évoluer, peut-être qu'on aura une autre pensée. Mais pour l'instant, qui est illogique, inconséquent, on le met de côté. Alors sur le Coran, c'est très clair. Sur la raison, comment vous faites euh, Comment on peut déterminer si un texte je contredit la raison, étant donné que, euh, par exemple, vous avez euh, des philosophes, alors là je prends un exemple volontairement extérieur à la religion, vous avez des philosophes, vous avez parfois même des, des savants, mais, mais surtout dans la philosophie, qui ont des divergences euh, de position euh, qu'ils fondent tous les deux ou, euh, sur la raison. Donc en gros, il y a cette idée que la raison ne mène pas toujours euh, à, euh, à une entente mmh. ou à une conformité selon des règles, des méthodes, des, une méthodologie, etc., qui mènerait... À une, à une certitude ou à quelque chose sur lequel on pourrait se mettre d'accord. Donc, oui. le simple fait de dire qu'il ne faut pas que ça contredise la raison, est-ce que c'est suffisant étant donné que très souvent, ceux qui font usage de la raison ne sont en désaccord euh, persistant euh... Tout à fait. Non, non, je comprends tout à fait. En fait, dans, là, c'est dans l'usage de la raison. Mais il y a, par exemple, une donnée, euh, une donnée rationnelle. C'est l'idée de dire, je ne sais pas moi. Euh... Ah, je sais. <laughs> Donc des choses qui seraient évidentes. En fait. Des choses évidentes, mais des choses qui ne qui, qui, qui sont juste pas possibles. Euh, je, je ne sais pas, il y a des euh... Des contradictions. Oui, euh... par exemple, euh, euh, le fameux hadith dans lequel, euh, euh, alors que, que je repense bien pour, par peur de ne pas dire n'importe quoi, mais vous savez, un hadith sur la fornication, où on aurait vu des singes forniquer, on aurait lapidé des singes, par exemple. Que je ne connais pas. C'est un hadith qui existe, il y en a des centaines de milliers. Hein. Donc, alors pour on faut avoir pas statut, plus, alors peut il faut se son Alors peut-être qu'il a été classé oui, oui. comme faible, et, et que et déjà ce, cette classification permet de, de l'amoindrir dans sa valeur. Ouais. Mais je ne dis pas qu'il est reconnu par tout le monde. Mais ce que je dis par là, c'est que c'est une manière d'aborder le texte. C'est-à-dire que quand on regarde, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique de, de, de vouloir appliquer des catégories humaines sur, euh, sur euh, l'animal et de faire un jugement. Alors je sais qu'à l'époque médiévale, même en Europe, il y a eu des tribunaux pour juger les animaux, hein. ça, ça ah, existait. D'accord. Mais est-ce que c'est est, est, euh, est rationnel On va dire que non. Donc à partir de là, est-ce qu'on va donner un, un poids à ce hadith Non, je ne dis pas que ce hadith, il est reconnu par toutes les écoles. C'est ce un, un exemple. Un ouais. exemple, c'est juste un mmh. exemple. Par exemple, c'est ça. C'est la question de la non-contradiction. Après, l'approche rationnelle, vous avez raison. L'approche rationnelle, ça ne veut pas tout dire. On peut, d'ailleurs, la maratazile a été la preuve de cette divergence, parce qu'il y a les cinq principes sur lesquels tous les marataziles étaient d'accord, et dans les usages, dans les compréhensions de certaines questions, il pouvait y avoir de grands désaccords entre eux. Alors, revenons sur la question, sur les enjeux. Alors, vous aviez dit ah oui, euh, oui, voilà, non, non. voilà vous aviez dit l'unicité divine, le respect mmh. euh, de, euh, radical de, de l'unicité divine, donc ça c'était mmh. le point. D'autres euh, enjeux euh... Alors, il y a un autre enjeu, et c'est ce qu'il y a derrière la mehna, c'est-à-dire derrière l'examen. Le, le, qui a, qu a imposé le calife al-Ma'moun, qui était euh, euh, le calife euh, considéré au Voilà, on en viendra après, il y aura une question là-dessus. D'accord. Mais, euh... mais, mais, mais bon, euh, allez-y, vous pouvez ça... l'aborder si vous bah, voulez. je l'aborde pour bien comprendre, parce que c'est un enjeu ici qui est très important. D'accord. Et ça permet aussi de, de un peu tordre le cou de cette idée de, des Motazilistes qui auraient voulu imposer le Moutazilisme. Parce que ce qu'il faut dire sur la Mehna, c'est que euh, le Mehna, c'est l'examen. Hein, c'est ce qui a donné, par exemple, aujourd'hui on dit MT Han quand on parle d'examen scolaire. Hein, Mehna, c'est vraiment cette idée. Tu quoi, parle... c'est un interrogatoire C'était une, une, une question. C'était une question qui était euh, posée à qui Aux Qudats, c'est-à-dire aux au juges, et aux maîtres religieux. Pourquoi les maîtres religieux Parce que c'était eux qui formaient les c'était Tous les maîtres, que ce soit, quel que soit leur védéb, leurs leur, leur écoles. Étaient formés auprès d'enseignants de, et de, de grands maîtres de Chouyour. Et qui n'étaient euh, pas tous euh, Mortazilites. Ah non, a, non, la non, question, non, 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 C'était voilà. vraiment une question qui était adressée à tous ceux qui exerçaient du pouvoir juridique. D'accord. Quelles que soient leur, euh, leurs écoles, leur appartenance. Et on leur a demandé de reconnaître à tous le Coran créé. Et attention, et j'insiste là-dessus parce que j'ai entendu des choses récemment qui sont assez choquantes. Cette imtihan, cette, cette Mehna en fait, elle concernait. Une catégorie spécifique de la population, c'est-à-dire ceux qui exerçaient du pouvoir. Le pêcheur euh, sur le, le frat ou le, le tigre, ou les paysans, ou l'artisan qui est en train de travailler, de tailler les, les pierres, ils n'étaient pas inquiétés par la Mehna. Parce que ça, on dit, ils ont voulu imposer le moutazilisme et la population. Une espèce en fait. d'inquisition, on présente ça oui, comme une espèce d'inquisition. Inquisition, inquisition. Euh... inquisition c'est fort. Hein, euh... Oui, oui c'est-à-dire si vous suivez pas le, la, le, le, la doctrine officielle, oui. bah, on vous met à mort, on vous torture, etc. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'imposition à la judicature, donc tous ceux qui exerçaient du pouvoir, de reconnaître le Coran créé. Mais pourquoi en fait Et pourquoi eux et pourquoi pas les autres Pourquoi pas toute la population Parce que l'idée ici, c'est une question de philosophie du droit. Et une question qui va apparaître en Occident au cours de l'époque des Lumières, pratiquement. La question, elle est là. Qui doit être la source du droit Si on dit que le Coran est un créé, donc on dit que Dieu est le seul législateur, mais d'un pur point de vue pratique, qui exerce le pouvoir Les Khovates. Ce sont les religieux. Les religieux qui imposent leur loi et leur compréhension de la loi. Alors il y a les des juges des... et il y, le, il y a le législateur, ceux qui appliquent la loi. Oui. Et ceux qui jugent en fonction de la loi, mais qui ne dé définissent pas la loi. Bah, la loi en fait, c'est quoi en fait justement Quand on parle de la loi, on parle du chara. Mm. Mais le chara, qui le définit Oui, après les écoles juridiques, effectivement. Euh... Selon les écoles juridiques. Ouais, les Fara, les selon le les Fovat, etc. Le ma'moun, il a dit quoi Il a dit. Donc le, le calife ma'moun, Mouftasidite. Il va créer la la Il va dire le Coran est créé. Parce que le sous-entendu, c'est que le Coran est un créé, donc il est parfait, donc euh, c'est... Euh, comment dirais-je Donc, quelque part, il y a tout dedans, et donc c'est Dieu qui décide. Mais ah, comment Il ah, ah, y a un verset qui dit, euh, ce livre explicite toutes choses. Euh... Euh, détails toutes choses. Alors, ça veut pas dire qu'il y a les détails de toutes choses, mais après, c'est des principes peut-être. Oui. Là, il faut l'interpréter, bien sûr. Mais il y a, il y a ah. cette idée-là qui, oui, qui, qui est présente dans le, dans le texte. La question, elle est là. C'est-à-dire que finalement, on dit que Dieu est le seul législateur, mais concrètement, qui était le législateur C'était les religieux, ceux qui décidaient. Et là, il dit, si je parle de l'idée que le Coran est créé, je dis que le Coran, il est limité. Il a été créé à un moment, il finira à un moment et même sa création, elle est limitée, donc elle est imparfaite. Donc il y a l'idée qu'on peut compléter le Coran. C'est un peu une idée qu'on retrouve dans le chiisme. Dans le chiisme, le Coran, c'est le, euh, le Coran silencieux et le Coran parlant. Le Coran silencieux, c'est le Coran, le texte qu'on a, qui ne nous dit jamais rien d'autre que ce qui est écrit -tu. Et le Coran le parlant... Le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les... Ce sont les hommes qui le font un parler, un hein, à, Ali même, à Ali. Tout oui. à fait. Oui. Et le Coran n'a pas ce le parlant, c'est l'imam, l'imam caché. C'est lui qui est le... dans la version chiite. Alors, à, à quel moment cette notion de créer, elle intervient dans ce que vous venez d'expliquer bah, Le fait de dire que le Coran est créé, c'est de dire qu'il n'est pas parfait. C'est-à-dire que tout n'est pas dans le Coran. Alors, dans, dans la doctrine. Dans la doctrine euh... Euh... Alors, dans, Mais là, dans la doctrine chiite, vous disiez, il y, avait, il y a cette même idée. Alors, à quel la, moment la elle intervient L'idée, c'est de dire que dans le Coran qu'on a euh, le lien de texte, on a le texte, mais il ne dit pas autre chose que ce qui est écrit dessus. Et donc celui qui va parfaire ce qu'il y a dans le texte. D'accord. Le texte apparent, le texte littéral. Voilà. Mais le sens. C'est pour ça qu'on parle du, du texte euh, silencieux, du texte parlant. Donc on peut le pas Coran accéder au sens. Le sens, c'est l'imam qui l'a. Même avec la raison. Ça, c'est les chiites qui disent l'imam. D'accord. Dans la doctrine chiite. Dans la pensée c'est de dire que le Coran n'est pas silencieux, mais il est limité. Et comment on va parfaire Comment on va par le travail rationnel Et ici, ce que dit el-Mamoun, c'est quoi C'est que il doit être lui source du droit, non pas lui en tant que monsieur Moun, enfin monsieur, c'est quoi ça, c'était Abou Abdallah, je crois. Euh, c'est pas, pas ça. C'est l'idée de dire que moi, en tant que calife, c'est-à-dire institution, c'est moi qui suis la source du droit. C'est moi qui dois faire le shara. C'est moi qui dois dire quelles sont les règles à suivre. Et pas chacun fait sa loi, parce qu'au final, quand on dit que le seul législateur, c'est Dieu. D'accord, mais qui exerce le pouvoir Les religieux, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir des applications du droit très différentes en fonction de où on est, de son quel medheb, selon quel... Et là, pour unifier tout ça, et pour reprendre la, le droit, c'est-à-dire la source, El a dit, la source du droit, c'est moi. D'où, dans sa titulature, il a pris le titre d'Imam El Houder. L'imam de la, de la guidance. Et ça, c'est un enjeu qui est très important, c'est que la question du source, de la source du droit. Qui doit être source du droit Question qui se posera donc, à la fin de l'époque classique, à l'époque euh, des Lumières en Occident. Euh, alors... Euh, en Europe, on, on aime particulièrement le, le mortasilisme qu'on qu associe euh, euh, au rationalisme assez mmh. souvent, euh, une manière de voir en lui, en, dans le mortasilisme, euh, une forme d'alter-ego finalement civilisationnel. Du rationalisme occidental. Euh, quel regard vous portez sur sur cette sur cette approche, sur ce regard occidental sur le marxisme Est-ce que pour vous il est il est fidèle, euh, flatteur, ou est-ce que il est un peu exagéré euh Il est euh, il s'appuie sur des choses que je peux comprendre. Il y a des éléments que, qui peuvent appuyer cette thèse, mais il, il est aussi un peu angéliqueur et un peu euh, euh, il fait fi, en fait, d'une partie, partie de toute la pensée marathasila. Ça, c'est important. C'est pour ça que parfois, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, ça peut un peu rappeler le baiser du serpent. C'est-à-dire que euh, on se retrouve mis en avant, mais peut-être pas, euh, pas pour les bonnes raisons, entre guillemets. Par exemple, ce qui, est, ce qui euh, réconforte un certain nombre de gens en Occident, c'est l'idée de se dire qu'il y a un groupe musulman qui a dit que la raison est la première preuves cest à le premier fondement de, de, de l'approche religieuse, mais qui ont dit aussi que comme, puisque Dieu est juste et absolument juste et parfait, que celui qui agit bien, qui fait le bien autour de lui, et à la limite, peu importe sa confession, Dieu, il va, lui, il va le, le récompenser pour ça, le ou l'a récompensé pour ça. Et donc chacun chacun sera sera récompensé ou puni en fonction de ce qu'il aura vraiment fait, finalement. Et donc ça, ça peut trouver des échos chez des, des non-musulmans, et on peut le comprendre. Et d'ailleurs ça, c'est important à comprendre. Bon, après il y a une autre chose, c'est que dans l'idée que ce sont des penseurs rationalistes, il y a un peu cette idée derrière de se dire que ce sont des, des concepteurs, des philosophes, euh, mais finalement pas tant des religieux en fait. C'est un peu l'idée que on est loin du, du, je prends des caricatures un peu du barbu avec. Euh, avec son. son ah, les philosophes bon. portaient la barbe aussi. Hein. Oh, mais euh, Platon, ah, Socrate. Oui, mais... euh... bah, la barbe est un attribut <laughs> de, de la Philosophie <laughs> était une marque. <laughs> et du coup, il y a cette idée que ça, ça aurait été des, des musulmans soft, entre guillemets, sorte de, de light. Mais et c'est là, en fait, où ils se trompent grandement, parce que et là et même par rapport au sunnisme, les mutazilites sont un peu plus euh, rigoristes. Rigoristes quelque part, puisque... Le cinquième principe sur... Euh, L'ordonnancement du, voilà. du convenable et de l'interdiction du blâmable, mais c'est l'idée aussi que dans la pensée mahatazila, le, la foi et les actes sont indissociables. Alors que dans le sunnisme, on peut avoir parfois l'idée que la foi est plus importante que les actes. Dans la pensée mahatazila, non, non, non. C est, c est, les actes sont très importants. Et ils étaient plutôt reconnus pour une certaine pratique... Euh, une orthopraxie euh, rigoureuse, euh, ou rigide peut-être, je ne sais pas. Bien sûr. Euh, par exemple, sur la question du, du, du politique, et c'est très intéressant. Juste avant, on a parlé de la Mehna. Mais el mamun a eu beaucoup de mal à nommer des, des, des responsables Mohatazila. La plupart des plus connus à l'époque euh, ont refusé. Pourquoi Parce qu'il y avait une pratique une, dans la pensée mu'tazilite qui est ancienne, déjà à l'époque de Amr ibn Ubaid, Amr ibn Abaid, qui est donc le, le, le second maître matazili après Wassalam euh, al après, euh, qui vit à l'époque du calife al-Mansur, hein, le fondateur de Bagdad, il était connu parce qu'il était proche du, du calife. C'était des amis. Mais amis à titre personnel, mais aucune fonction officielle. Et d'ailleurs, il était connu, il y a une anecdote qu'on retrouve dans des livres, où un jour, il est avec son ami, donc le calife, et le calife euh, a besoin d'écrire un décret, je crois, c'est une application d'une un, exécution. Quelqu'un doit être exécuté pour je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et il demande à Amr de lui donner l'encre. Et lui dit, non, je participe pas à cette décision. Même si je te donne l'encre, c'est que je participe à cette décision. Non, je fais pas ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans la, dans, chez certains occidentaux que les moutazides seraient des sortes de philosophes, de libres penseurs. Euh, et qui, euh, qui serait complètement libre. Non, non, non. non. Ils non, étaient des, 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 des connus pour être euh, dans, dans une pratique euh, solide. Ouais. Et, et d'ailleurs, juste euh, pour finir, il y a un groupe qu'on a appelé Soufi et al-Moutazila. Les, les Soufis du Moutazilisme, qui, euh, qui était autour de la, de la figure importante d'El Mordar, qui s'appelait El Mordar. Et il avait deux disciples très connus, Jafar ibn Harb et Jafar ibn Mubashir. D'ailleurs, Jafar ibn Mubashir, le calife Al-Ma'moun, a essayé de le recruter plusieurs reprises. Et à chaque fois, le, 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 le recruteur qui venait s'adresser à Ja'far ibn Mubasher, il venait avec un sac plein d'or et euh, il lui disait si, Je jure que si jamais tu reviens, tu reviens, je, il lui sort son épée et il dit Je te considère comme un voleur. je ne veux plus te voir. Et eux, ils étaient connus, ces deux Ja'far qu'on appelait les Ja'farain, ils étaient connus parce qu'ils étaient issus d'Al-Murdar aussi. Ils étaient tous issus de familles très riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais, ils ont vécu toute leur vie de manière complètement ascétique. D'accord. Donc, Et une ça, espèce de soufisme. C'est une pratique ascétique. Euh, ou, euh, voilà, un ascétisme. C'est euh... un ascétisme qui, euh, avant les, les, les Tourouk, avant les confréries Sophie, etc. Mais ce qui était drôle, juste pour finir sur ce Jarfar, c'est que l'histoire de Jarfar a été reprise sur un site salafiste. Je suis tombé dessus par hasard, mais à aucun moment, ils disent que c'était un, <laughs> bon, attends, un il bien. Un tas... euh, bon. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, Fakhar Korshan mmh. sur Al-Mamoun, sur, Al -Mamoun, Al -Mamoun, euh, sur le, la répression, enfin, ce qu'on a présenté comme une, une période de, 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 de répression politique ou de persécution de certains. Euh, certains euh, Acteurs, dont certains savants, dont le, le plus célèbre est Ahmed euh, Ibn Hamdell. Euh, alors quel regard vous portez là-dessus Est-ce que vous, vous euh, est-ce que vous confirmez cette vision-là Est-ce que euh, voilà, est-ce que euh, elle a été, euh, est-ce que, est que les choses se sont passées réellement de cette manière-là, ou est-ce que pour vous ça a été euh, surexploité, donc euh, euh, de, des, des exécutions ou des euh, tortures de certains de certaines figures Alors c'était pas toute la population, vous l'avez bien dit, c'était les euh, personnes. Euh, qui ont été interrogés sur la doctrine donc des personnes qui avaient un, un pouvoir dans la société, notamment les savants, les juristes. Euh, donc, quelle est euh, quelle est l'ampleur euh, réelle de, de cette euh, persécution Est-ce que vous vous assumez ce terme-là, ou est-ce que pour vous c'est c'est une présentation euh, euh, qui est biaisée ouais. euh, Moi, je pense que c'est euh, c'est un événement qui a été très important dans l'histoire de la pensée musulmane et dans l'histoire de l'islam, majuscule, de la civilisation. Mais je pense que ça a été énormément exploité par la suite. Plus dans ce sens-là qu'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'époque J'y étais pas. <laughs> on a des textes qui nous disent qu'effectivement Ahmed ibn Hanbal aurait été bastonné, euh, qui disent qu'il aurait été fidèle à sa parole, mais on a aussi des textes qui nous disent qu'Ahmed ibn Hanbal a dit euh, Oui, tout à fait, le Coran est créé. Ça existe aussi. Quelle a été la réalité On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode a été une remise en cause euh, des religieux. Ça, c'est indéniable. Et du poids des religieux dans la société, c'est indéniable. C'est pour ça que je pense à André Miquel, qui est un Arabisant, qui, qui, pour lui, la tentative de, de l Ma'moun a été la première tentative de laïcisation de l'histoire. Première tentative de séparer, euh, d'écarter les religieux du pouvoir. Ça, pourtant, vrai. au nom d'une doctrine théologique. Au nom d'une doctrine théologique. Ce n'est pas vraiment ouais. laïque. Non, non, mais encore ça, une fois. Il n'y a pas quoi. de neutralité religieuse là-dessus. Oui, mais quand on dit laïque, qu'est-ce qu'on entend par laïque Parce que si on entend laïque au sens de la laïque et de la loi française, conception en France, effectivement, rien à voir. Mais si on prend d'autres pays, l'Angleterre, c'est un pays laïque. La reine est pourtant chef de l'église. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Voilà, ça dépend de la conception. Elle règne, a. mais elle ne gouverne pas. Elle ne <laughs> gouverne pas. Donc, c'est symbolique. C est... C'est une appartenance apodique, C'est le premier ministre savez, qui gouverne. La constitution en Angleterre fait que si demain la reine elle décide de prendre le pouvoir, elle le prend. Ah d'accord. Bon, ça, je ne connais pas la ah, constitution. Si, si. C'est un usage comme... qui fait que la reine, elle laisse le pouvoir. Mais si demain, légalement, elle veut prendre le pouvoir, elle dit c'est moi qui décide, c'est elle qui décidera. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça. Bon, d'accord. Ce, ce qui existe, en fait, c'est que, quels sont les usages qui existent. Donc, moi, je n'y étais pas. Par contre, ce que je reproche... Il euh... n'y a pas eu d'exécution, de, 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 si, de torture Si, si, il si. y a une. Euh, alors, selon, les, selon les sources historiques, en s'appuyant oui, que nous disent. Parlant, voilà. il y a eu, donc il y a eu une succession. Mahmoud a été le premier. Alors, selon les auteurs, Mahataz, a eu d'autres califs avant et après, enfin euh, surtout avant, qui était Ma le mais restons sur la, le plus connu, le plus accepté, on va dire. Mahmoud, c'est celui qui va imposer, faire du, du moutazisme, la doctrine de Mais ça veut dire quoi, la doctrine de l'État C'est que tout simplement, le le qodat... À l'époque, c'était Ahmed ibn Abid Doued, et Ahmed ibn Abid Doued, c'était un Mardazili. Bon. Après, il y, y a eu des, des dominations de Qudat qui étaient chiites, qui étaient sunnites, qui étaient machins. Il n'y a pas eu d'uniformisation. D'ailleurs, en Tunisie, à l'abide, à l'époque où les Arabes, al qui étaient aussi des Mardazil, des Ahnef, quand ils ont nommé des, 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 ce qu'on appelait à l'époque Qadil al-Khayrawen, qui est l'équivalent de Qadil al il y a eu des nominations de Malikites comme il y a eu des nominations de Hanafites et ce c'était pas toujours des, des Mouattazilites. Donc il euh, y a une dynastie Mouattazilite qui euh, a régné en Tunisie. En Tunisie. Ouais, mais il un... y a une dynastie qu'on ne on euh... sait pas, on ne le enfin, l'entend pas souvent. On ne l'entend pas souvent, mais... Euh, Combien de mais... temps ils ont régné De 800 à 909, donc euh, ah ouais, plus d'un siècle. Un siècle. Ouais. Euh, mais il y a eu au Maroc le fondateur de la Idris, qui était un Zaydi. Les Zaydis ce sont des Mouattazilites. Ah, vous, vous, la... voilà, vous préparez la, la question suivante. Oui, mais je, je reviendrai <laughs> sur bien, cette question-là plus tard, mais... Simplement pour, Donc pour euh... vous cette cet épisode euh, cette cette, euh, cette page historique de, du mortazilisme, euh, pour vous elle est telle qu'elle est présentée est-ce que ça reste relativement fidèle à ce qui s'est passé ou pour vous est-ce que non, non. Non, en, été... indépendamment de l'utilisation oui. sur les faits eux-mêmes ah, sur les faits eux-mêmes il y a eu en fait ce que j'allais dire c'est qu'il y a trois califes qui ont été euh, qui se sont qui se sont succédés, pardon qui étaient Mourtazilite et qui ont appliqué la même de façon différente Al-Ma'mun c'est lui celui qui a initié, d'ailleurs, peu de temps avant sa mort, hein, donc ce n'est pas tout son règne qui a été marqué par la Mehna. Il y a eu le Mahtasam, le Mahtasam qui était religieusement parlant, qui était... Euh, son, il aurait été, euh, son prédécesseur aurait été chiite, il aurait été chiite, euh, son prédécesseur aurait été hanbalite, il aurait été hanbalite, je pense que c'est... plutôt opportuniste. Ou enfin, il a laissé faire Ou comme... Plutôt conventionnaliste. Tout, en, tout en, en, en insistant Conformiste. C'est-à-dire que pendant sa période à lui, la Mehna, mmh. on dit qu'elle s'est un peu allégée, parce qu'il ne cherchait pas non plus euh, très loin. Par contre, il y a un troisième, El qui lui était connu pour être un, alors un zélé, un Marthez, il des zélé, et lui qui a été plus loin. C'est-à-dire que lui, ça a été, il y a une anecdote où il y a eu des échanges de prisonniers, cest entre les empires byzantins et les musulmans, et il a imposé aux musulmans qui revenaient, alors c'était, il faut s'imaginer, comment s'appelait le, le fond, le Charlie Point, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, cest à entre les, les, les soviétiques ou les communistes et les occidentaux à Berlin, où ils avaient des échanges de prisonniers, c'était un peu le même genre, qui passaient sur un pont, et il aurait exigé des prisonniers musulmans qui étaient libérés, qui revenaient dans le monde musulman, qu'ils qu crient sur le pont que le Coran était créé. <laughs> il y a eu cette anecdote qui a existé, mais plus dramatique. Ça, ça allait jusque-là, ça en devenu cas, une obsession en fait, c'était vraiment obsessionnel. Ouais, pour Elouéfar, apparemment, il a été marqué par ça, mais Elouéfar, c'est aussi, euh, à ma connaissance, euh, lui qui a exécuté un shaykh qui, euh, qui préparait une, une révolution contre lui alors je me rappelle plus de tout le monde du shaykh je me rappelle qu'il y avait le khoseaï dedans el-Khoseaï euh, qui, euh, qui va être exécuté par al de sa main avec la fameuse épée euh, légendaire sam -sama. je crois qu'elle a disparu aujourd'hui mais qui est un peu de la même famille que Zulfiqar en fait et il va, il va exécuter lui-même la sentence el euh, et lui va effectivement euh, être un plutôt un zélateur de, de cette application-là. Ensuite, je pense que malgré tout, euh, le vainqueur, entre guillemets, écrit l'histoire. Et euh, comme les, les chouyours, les religieux ont, ont été remis en question, c'est-à-dire qu'on a, on a... Surtout que les hanbalites, le hanbalisme, à l'époque, était assez prégnant à Bagdad. Hein. Il y avait... C'était un... très influent à l'époque à Bagdad. Et du coup, euh, je pense qu'on va l'utiliser, on va utiliser cet événement pour écarter le moutazilisme, et les Moutazélites, de manière générale, alors qu'à l'époque, il y avait des grands noms de hein, mais qui n'ont pas participé au gouvernement, parce qu'ils n'étaient pas dans une logique de participation à l'État. Et ça, c'est aussi une pensée dans la. Enfin, dans tous la les Moutazélites que... ne soutenaient pas, vous voulez dire, cette, euh, cette, cette politique euh, mise Tout... en place par, par les différents califs que vous avez. Parce euh... que, en fait, tous les Moutazélites, je pense il y avait, euh, ils ne soutenaient pas. Participation à la politique du tout. D'accord. Ça, c'est un point de vue. Pour des raisons morales. L'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'était. Le fameux imam Al-Assam qui disait Si les gens cessaient d'être injustes, il se passerait d'imam. Et imam au sens politique. Vous voyez la portée de la pensée. Dans la pensée Mratazila, le califat. Est-ce que le califat est un devoir religieux Non. Le califat est nécessité à une époque. Si on peut s'en passer, on s'en passera. Donc c'est une exigence euh, profane euh, C'est une exigence euh, pour organiser euh, la société. D'accord. Mais en aucune, en, en aucune façon, c'est un devoir religieux. D'accord. Et qui doit être calife euh, Le plus méritant. On se fiche de savoir qu'il est Khoreish ou descendant dal el ou machin. C'est le plus méritant. Et là, proximité avec la pensée Khawarish. Clairement. Mais il y a aussi, in fine, en filigrane, l'idée de dire bah, l'État. Euh, ce n'est pas une question religieuse. L'organisation de la société n'est pas une question religieuse. Donc, il y a, il y a, une, il y a une dimension de laïcité dans, dans le mortacisme, ce qui renforce un peu le, le, la proximité. Oui, mais le problème, c'est que nous, il est tellement chargé, le mot laïcité, quand on dit laïcité. Je dirais qu'il y a une portée séculariste, dans voilà. ce sens où, il y a, puisque la foi, elle n'est pas indépendante des œuvres, c'est-à-dire que ça va avec, le plus important, c'est que si on, est vraiment, si on a vraiment la foi, peu importe dans quel régime on vit. Parce qu'on appliquera, pardon, on, on aura une pratique religieuse et on se comportera moralement, religieusement, etc. de la bonne façon. Alors que si on va imposer, et je pense que c'est un reproche que moi je peux faire aujourd'hui à cette fameuse mehna, c'est que je pense que même, peut-être que les intentions étaient louables, mais en même temps dire que la mise en application était était extrémiste, non, c'était les mœurs de l'époque. Parce que ensuite, par contre, les répercussions et, ce qui va, et les, les persécutions que les Moutazilites vont subir, elles sont autrement plus dures. Elles sont autrement plus dures. Et là, par contre, il ne s'agit pas d'une mehna qui va être instaurée contre les chefs des Moutazilas, ou contre les religieux Moutazilas. C'est vraiment une persécution de, des populations Moutazilas. C'est-à-dire qu'on va avoir des destructions de villages, de maisons. Euh, Mahmoud de Razna, qui est, qui est assez connu pour avoir été un conquérant, etc. Mahmoud de Razna va, va avoir un, un rôle terrible dans la persécution des Moutazilas. Là où il va régner. Donc ça, c'est, on va avoir une destruction des livres, une destruction de, alors le procédé que C'est les... cette politique qui a entraîné le, la disparition et le déclin euh, euh, du mortazilisme, ou est-ce que c'est des facteurs endogènes je, je pense qu'il y avait, euh, avait d'une part, euh, je pense qu'il y avait plus de mortasilas que ce qu'on dit. Parce que quand on lit euh, certains avis, on a l'impression que ça ne touchait que certains scientifiques ou certaines élites qui étaient des mortasilas, et que le peuple était loin de alors qu'en fait, il y, a des, il, y a des, il y a des bases géographiques, il y a des places fortes du mutazilisme. Dans, dans la région de ce qu'on appelle aujourd'hui le Khosistan, entre dans le, la région frontière, qui est iranienne aujourd'hui, mais à la frontière avec l'Irak, c'était un bastion de, de, de la Khorasan, c'était un bastion. Le Khorasim, c'était un bastion. cest c'était un des derniers bastions du mutazilisme. Le dernier euh, religieux mutazilite dont on a trace, c'était lui-même, le conseiller spirituel en quelque sorte, de Tamerlan. Donc à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, qui se serait appelé euh, Abd al-Jabbar al-Khwarizmi, qui était un Moutazili. Et donc on a, c'est vraiment dans cette région-là où on a, on a eu les derniers euh, foyers du murtazilisme. Mais il est vrai que je pense c'était une pensée, c'était une, une théologie qui. Euh, qui impliquait un. Qui n'a pas trouvé un ancrage populaire suffisant pour se diffuser Peut-être pas suffisamment. Ouais. Par rapport au Hanbalisme, pense... on parlait de l'influence du Exactement, Hanbalisme parce que ou le hanbalisme, courants. le hanbalisme ou d'autres courants, c'était faites ce que je dis et puis c'est réglé. D'accord. Dans la pensée immortaliste, elle n'était pas dans cette logique-là. Ouais. Et je pense que dans une société où il y avait moins de gens lettrés, moins de gens qui avaient du temps aussi, c'était un peu éliti enfin, élitiste, pas au sens péjoratif du terme, mais exigeant. au sens. Ça demande des exigences qui je, ne sont pas euh, forcément accessibles à, à tout le monde je, je euh, immédiatement. Pense. Quoi. Je pense que ça, ça a limité la portée du motazilisme. Et ensuite, il y a eu quand même une instrumentalisation. On ne peut pas faire fi de cette instrumentalisation. Et, euh, et du coup, ça, parce que si vous avez des gens qui vous disent euh, Bon, arrête de, de dire calif, parce qu'après tout, euh, on n'a pas besoin vous remettez en cause profondément tout le système politique. Et là, euh, on peut pas à une époque où on n'était pas dans la pluralité des opinions, on peut s'imaginer que c'était plus compliqué. Et surtout qu'ils faisaient... Ils ont fait de l'ombre finalement à tout le monde, parce que la portée de la pensée moharratisi, là, on la retrouve dans tous les groupes musulmans. Et ça, tout euh, euh, à l'heure, vous avez fait la remarque sur le, les occidentaux. Il y a un cheikh euh, chiite que j'aime beaucoup, j'aime bien écouter de temps en temps, qui s'appelle le sheikh Kamel Hayderi, ouais. qui a une vidéo dans laquelle il dit que l'Occident vit selon les principes moharratisi. <laughs> il le dit clairement. Mais il, euh, il dit aussi que le Sauf Chine... peut-être sur le rapport à Dieu et à l'unicité de oui, Dieu, en fait, qui, est quand même parlait... premier, qui est quand même oui, oui, le premier oui, oui, pilier. Oui, oui. Le... Mais lui, il ne pas pas tant... que... parlait pas tant de ça. Il parlait plutôt du, du fait que comment on prend les lois, comment on, comment on décide des lois et comment, comment, selon quels principes on va voter, on va faire ça ou ça. D'accord. Il pensait plutôt au fait que... Bah, les, là, tout ce qui est protection sociale, tout ce qui est... C'est-à-dire, ce est c'est vraiment cette idée... On va prendre ce qui est rationnel et puis on va mettre en application. On va pas regarder ce qu'il y a dans la Bible ou ce qu'a dit le pape, ou... mais plutôt ce qui est rationnel. Oui, c'est quelque chose ce qui n'est sens... pas, reli... pas une obligation religieuse, euh, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est approche cette approche-là, cette euh, qui, qui, à mon avis, moi c'est comme ça que j'ai compris euh, ce qu'il disait. Mais il dit aussi, et par rapport euh, et je pense que ça fait ça crée de l'ombre aussi. C'est que le mohamadisme, comme ça a été la première école de théologie systématique dans l'islam. Attention, je suis pas en train de dire l'école première école euh, chronologiquement. Hein, mais euh, en termes d de, de pensée systématique et de concept, d'un de, système philosophique, si vous voulez, bien construit, c'est la première école de théologie musulmane qui a proposé ça. Elle a influencé tout le monde. Abouti, vous voulez dire, sur le Abouti. plan doctrinal Exactement. On, on retrouve. Euh... Alors justement, la, la, la question oui. que je vais vous poser, c'est on a évoqué en filigrane certaines proximités ou certaines influences. Entre le mortazilisme et d'autres courants de l'islam. vous avez évoqué euh, euh, l'école euh, Hanafite, euh, l'imam Abou Hanifa, dont, dont on dit parfois qu'il que, qu aurait été proche du mortazilisme. a évoqué aussi le, le chiisme. Donc, quelles sont finalement euh, euh, ces influences euh, Dans quel sens se sont-elles effectuées Quels sont les points communs entre le mortazilisme et euh, ces autres courants de l'islam Il peut y en avoir d'autres également. Et quelles sont aussi leurs différences D'accord. Alors, de manière euh, schématique, parce que c'est vrai oui, que c'est une question. Euh... Oui, mais alors, comme je vous le disais, c'est que, comme ça a été la première école de théologie aboutie, comme vous avez dit, elle a eu une influence sur toutes les autres écoles, pratiquement. Par exemple, si on reste dans le sunnisme, dans le sunnisme, euh, déjà, l'école acharite a une, a une. Sa matrice conceptuelle, son, son fonctionnement, assez moins Avec, et c'est ça, en fait, la difficulté avec l'acharisme, c'est que. Ça a une problématique et un fonctionnement moutazilite, mais ça veut arriver à des conclusions hambalites. Et du coup, c'est ce qui crée le problème. C'est ce qui fait que le, les acharites ont été à la fois rejetés par les moutazilites et à la fois par les hambalites, par exemple. D'accord. Donc ça, ça vous explique un peu. Ils mais, étaient entre les deux, dans la, voilà, <laughs> le un quatrième pilier. C'est un peu. Un peu, un peu <laughs> Ils ouais, étaient dans une position <rire> intermédiaire. <rire> <question d> intermédiaire. <laughs> mais c'est ça, mais c'est ce qui fait que moi, un jour, je parlais avec un imam qui est un peu connu en France, mais je vais pas. Et il me dit, mais là, déjà, Charit, ils ont pensé des choses extraordinaires, ils ont pensé cette différence entre ce qu'on appelé les, les, euh, les attributs d'essence et les attributs opératifs. Moi, je suis resté un peu interdit parce que je la connaissais, cette distinction, mais pour moi, c'est une distinction qui a été faite par les Martazilais, en fait. Et donc, comme j'ai eu un doute, comme ils me présentaient ça avec tellement de certitude, j'ai rien dit, et une fois chez moi, j'ai vérifié. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pensée Martazila, enfin, ancienne, c'est l'air de dire... Il y a des attributs d'essence qui caractérisent Dieu, mais qui caractérisent finalement l'essence de Dieu. Et puis des attributs qui montrent un peu le fonctionnement, le rapport avec l'être humain. Et cette distinction-là, cette dichotomie-là, qui est purement rationnelle pour nous comprendre, hein, parce que ça ne change rien dans Dieu, mais c'est une pensée Mohatazila, qu'on retrouve dans la pensée acharite. Alors, dans la pensée acharite, on retrouve plein de choses. Hein. Mais euh, donc, il y a ça. Il y a le rapport entre Abu Hanifa et le Moutazilisme. Pour Alors, est-ce que Abu Hanifa était un mutazilite Ce que rejette. Euh, euh, les des... Hana... Enfin, les Hanafites, je ne sais pas si c'est les Hanafites qui le disent, mais la plupart, oui. la plupart des, 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 euh, des savants sunnites euh, rejettent cette, cette, cette affirmation. En fait, oui. Alors, qu'en était-il Qu'est-ce qu'on sait historiquement là-dessus, finalement Alors, historiquement, c'est très dur de savoir. Ce qu'on peut savoir, qu'on est pratiquement sûr avec certitude, c'est qu'Abu Hanifa croyait que le Coran était créé. On a les récits de son fils et de son petit-fils qui viennent aller dans ce sens-là. Parce qu'on a des récits qui sont les plus connus sur lui où il dit euh, quand on lui pose la question parce que quelqu'un serait venu poser la question à son cercle alors que lui était absent et donc un disciple lui dit alors qu'est-ce que tu dis à toi cheikh que Coran créé ou créé Il a dit il faut pas poser la question, il faut pas faut pas perdre de temps sur cette question. La version officielle. Mais ce qu'on a c'est que son fils Ahmed ibn Hanifa et son petit-fils c'est qu'ils étaient tous disaient Coran créé. Bon, après est-ce que c'était la position de ses fils? Est-ce que c'était la position non, de leur non, père parce non, que il je... disait qu'eux, ils parlaient en parlant de Hanifa... Ils l'attribuaient à leur père Oui, en attribuant à d'accord, En attribuant à lui, à leur père ou grand-père. Et d'ailleurs, ça a été la posi leur position aussi euh, par la suite. C'était leur position. Parce que c'est la position dans laquelle ils sont grandis. Enfin, c'est ce qu'ils disent, eux. Après, nous, on est là ou pas On n'était pas là, donc on ne sait pas. Par contre, il y a des connexions qui, qui, qui interrogent. Euh, J'ai parlé de Ouassal ibn Arata. Wassal ibn Arata était un proche d'un certain Ali ibn, Zayd ibn Ali. Pardon. Fondateur du zaïdisme. Bah oui. D'où le euh, fait que les zaïdites, bah, les cinq principes, ce sont les principes Muatazila. Le petit-fils de... Mais il se trouve de, que Zaïd de Ali était en contact et était proche de qui De Bouhanifa. Donc la question c'est... Il y, y a quand même... Euh, Alors le, la proximité... Ne, ne... Est-ce qu'elle implique, euh, parce qu'il euh, y a des savants... Après, euh, oui, mais ça, euh, ça. Voilà, euh, on, on dit que, comment, comment il s'appelle, euh, Ibn Hanbal était l'élève de Hachafihi, de, de l'imam shafii oui. Pourtant, il y a eu deux écoles. Oui, oui, mais, euh, mais, mais, en, en fait, ce qui interroge, c'est ce ouais. la proximité du hanafisme dans son histoire avec la, le la l'Atizil. Parce que, comme par hasard, il se trouve que pratiquement tous les Mahartazils étaient à Hnef, Tous. Et à l'exception de quelques-uns qui étaient shawafa, dans ce qui est considéré comme sunnisme, j'entends. Par exemple, on a aussi les premiers auteurs de Hanafit, des Hussoul al-Fiqh. Al-Barda'i, al karhi Al-Jassas, étaient tous des Martazila. Donc, tous les premiers auteurs, même dans les quatre ouvrages qu'on recommande comme étant les ouvrages fond, fond, qu'on apprend aujourd'hui hein, en islam sunnite, pour, dire, pour parler des Hussoul al-Fiqh. Deux sont acharites, deux sont moutazilites. Abu Hussein al-Basri al et l'autre du Qadi Abd Jabbar, mais qui est en fait une, une interprétation d'un un autre disciple. Et les deux sunnites, enfin les deux acharites sont de, de Junayd, du Croix de Razili, je ne me rappelle plus très bien. Donc on a quand même euh, une portée qui est très forte. Donc mais... l'école d'Abu Hanifa était, euh, étant donné sa méthodologie, était celle qui était la plus proche. Ah bah oui, parce du, que du credo euh, moïsésique sur le, la raison, le, le qiyas. L'école euh... hanaféenne c'était la seule école émanation de Kufa. D'accord. Les trois autres écoles, mais l'Ikshaf et Hanbal, sont des émanations de la Hijaz. Et donc il y a cette proximité là, même intellectuelle. Et d'ailleurs, quelles sont les conditions pour sélectionner un hadith chez les Hanafiya Non contradiction avec le texte coranique, non contradiction avec la raison. D'accord. Euh, on a des figures que les, les hanaféens ont rejetées. Et Abu Hanifa ne reconnaissait pas les hadiths Hurayra. Allez voir les sites Hanafites aujourd'hui, vous verrez les avis sur Abu là partout. Abu Hurayr est omniprésent aujourd'hui dans les sites Hanafites, contrairement à ce que disait Abu Hanifa. En fait, sur Abu Hanifa, il y a un truc. On a, on a, on a tout fait, on a, quand on regarde un peu l'histoire d'Abu Hanifa et du Hanafisme, on a toujours l'impression qu'il y, y a eu une tension dans le Hanafisme entre ceux qui étaient dans un Hanafite de pure obédience, de pure observance et ceux qui vont essayer de raccrocher les wagons avec euh, le reste des écoles euh, juridiques. D'accord. Et on va avoir des gens qui vont produire un mosnette d'Abu Hanifa, donc un recueil de hadith d'Abu Hanifa. Or, ce qu'on a, c'est que dans les plus anciens recueils qu'on a, les plus, les plus historiquement les plus bâtis, les plus euh, solides, considérés comme les plus, euh, plus vrais, les plus fiables, les plus authentiques, Abu authentique, Hanifa a rapporté entre 14 et 17 hadiths. Oui, donc plus. très très peu. Très très peu. Pourquoi ouais. Alors que c'est le plus ancien hein, dans, dans les fondateurs des écoles. Pourquoi Parce qu'il avait cette méfiance, parce qu'il était dans une époque où il y avait une profusion de hadiths. Et euh, selon Mohamed Abou Zahra, donc ce n'est pas, pas un Motazilite, Mohamed Abou Zahra, c'est un, un auteur proche des frères musulmans qui a écrit un livre, il a écrit des collections sur Cheikh euh, et Abou Hanifa, Hanbal, et même sur Zaid ibn Ali, je crois. Euh, Mohamed Abou Zahra, quand il parle d'Abu Hanifa, il le dit. Il dit qu'il ne reconnaissait pas les hadiths d'Abu Huraira, mais en fait, il ne reconnaissait pas les hadiths. Des gens qui n'avaient pas fait de FT, qui n'avaient pas été, qui pas émis d'avis. Et donc, ils ne reconnaissaient pas les hadiths d'Abu Hurayra. Mais aujourd'hui, la plupart des Hanafites reconnaissent, contre Abu Hanifa. Et donc, Abu Hanifa, on parle souvent de Muhammad al-Shaybani, comme son disciple important, ou Abu Youssef, qui a été le premier Prozet de Qudat. Mais on parle peu d'un troisième, qui s'appelle Zofar. Et Zoufar, Zoufar c'est... Je suis pris entre l'arabe et le français. <laughs> Zoufar, c'était quelqu'un de, de très important, et c'est sans doute celui qui va garder l'enseignement le plus... Enfin, c'est mon avis. Et qui était ça vous bah, Lui, Il est considéré euh, clairement comme moutazilite. D'accord. Et en fait, moi, ce qui m'interroge, ce c'est cette filiation euh, entre le, le moutazilisme et le hanafisme, cette association, où c'était en Tunisie à l'époque des Arabes Ar Ar vous n'aviez pas besoin de dire que vous étiez mutazilite. Vous disiez un Hanafi. C'était associé, systématiquement, associé euh, immédiatement au, au ça a pris du temps pour être dissocié. D'accord. Au début, c'était associé. Vous disiez vous êtes mutazilite, on savait que vous étiez Hanafi. D'ailleurs une petite anecdote Qadi abdel Jabbar. À la base, il est une grande figure du du du, de, figure du figure qui du qui assez connue. Il ouais. est mort en 1025 de mémoire. Euh, uh, Qadi Jabbar était Ash'ari chef quand il, a, il, a, il est devenu Mouatazili, il a commencé à étudier le Hanafisme. Et son maître, qui était Hanafi, donc euh, Mouatazili, lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Il dit bah, Maintenant que je suis Mouatazili, j'étudie le Hanafisme. Il dit Non, 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 reste chef à, euh, à pratique avec ta manière chef Donc c'est juste l'anecdote pour montrer à quel point on était tellement dans les d'associer C'était associé. Si, euh, Mu'tazilisme et Hanafisme. Qu'à un moment donné, si vous deviez à on est pratiquement sûr que vous allez devenir Hanafi. Alors maintenant, sur le chiisme, vous aviez dit tout à l'heure de mémoire, vous avez parlé d'une filiation entre Mohamed Al-Hanafiya et un de ses enfants, je crois, un de ses garçons. Voilà, et voici Ibn Rattar. Ça nous permet d'introduire justement la question des rapports entre Mortazéli et chiisme, proximité. Le rapport à la raison, euh, alors, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et aussi les différences. C'est ouais. très intéressant parce que. Alors, le, le plus évident et le plus. Euh, oui, le plus évident, le plus parlant, c'est le zaïdisme. Le zaïdisme, c'est un moutazélisme. Alors, vous savez que le moutazélisme, il y a eu deux écoles mutazélites qui ont dominé euh, la période. Dans la période où il y a eu le moutazélisme, il y a eu l'école de Basra et l'école de Bagdad. La différence entre les deux, c'est que l'école de Basra était une école plus ancienne, d'origine, finalement, quelque part, euh, fondée par Oras. L'école de Basra était plus portée sur la théologie spéculative. Elle pouvait éventuellement travailler avec le pouvoir. Et elle avait une approche plutôt. Euh, pragmatique disons, Proche du sunnisme. D'accord. Euh, penchait légèrement plus du côté sunnisme. Euh, l'école Bagdad était beaucoup plus ascétique. Bah, les Mordars, les Jafarain, qui étaient des, des écoles de Bagdad. Et paradoxalement, a, les, les soutiens qui vont être autour de lui, Motazilites, sont de l'école de Bagdad. Qui est complètement paradoxal. Hein, euh, mais l'école Bagdad, elle est plus ascétique, plus euh, dure, plus austère et plus proche du chiisme, plus proche des théories chiites. Ça, c'est vraiment la distinction de base. Bon, euh, L'école Zaïdite, le Zaïdisme, vient, provient de, du, euh, du moutazélisme bagdadi. Ils reprennent les cinq principes et la seule distinction avec la vraie grande distinction avec le Moutazilisme, c'est la question de l'imamah, du califat. Ça, c'est vraiment la distinction. Les Zaïdites, ils estiment que l'imam. Alors, il n'y a pas de, de retour caché, il n'y a pas d'imam caché dans le Zaïdisme, et ça en accord avec le Moutazilisme. Pas de retour à la fin des temps eschatologiques, mais l'imam du temps, l'imam El-Zaman, c'est l'imam qui va, qui est donc descendant de Ali et de Fatima, et qui va prendre les armes pour rétablir la justice. Que font les aujourd'hui. Dans la, 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 la position territoire. de son fondateur, Zayd ibn Ali, qui, qui avait. Zayed, alors après, on attribue à Zayd effectivement, mais, mais bon, après, Zayd était un proche d'Abu Hanifa, mais aussi de, de Wassal ibn Rata, Donc comment ça s'est fait Ce qui est anecdotique dans cette histoire est marrant. En fonction que, du fait que vous soyez Zaydite ou Mutazilite, vous allez dire Zayd ibn Ali était le disciple de, de Wassal ibn Rata, donc vous êtes Mutazilite. Et si vous dites Wassal ibn Rata était le disciple de Zayd ibn Ali... Donc, vous êtes plutôt zaïdite. <laughs> ça, c'est assez ça' C'est le... proche. Il ne peut pas y avoir aussi, euh, tout simplement, simultanéité de référence Peut-être, peut-être. Euh, sans qu'il y ait eu d'influence, je veux dire, le fait il peut il y, y est... avoir ouais. deux écoles qui ont comme les on mêmes sait, principes. Comment ça qu'ils étaient proches ouais. Il y a forcément influence. D'accord. La question de savoir qui a influencé qui. D'accord. Euh, mais en tout cas, il y a eu, euh, il y a eu un rôle. Euh, Comment question... ça s'est traduit, finalement, cette influence réciproque dans les doctrines bah, que il a... Les doctrines, c'est que vous prenez aujourd'hui le zaïdisme. Vous prenez les, 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 euh, quels sont les cinq points doctrinaux qui vous font adhérer au zaïdisme, ce sont les cinq, doctrinaux, euh, cinq points doctrinaux motazélites. Donc il n'est question que du zaïdisme quand on parle. Ah oui, euh, non, 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 je sur... parle du zaïdisme. D'accord. Je ne parle pas de tout le chiisme. D'accord. Par contre, la, la, avec le chiisme dû au décima, imamite ou jafari, comme on appelle aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution. Il y a eu un premier chiisme d'origine, dans le Kerbala, on va dire. Le uh, Massacre de Karbala va être une source de, de, de réflexion chiite et de, de une source de créativité, de créativité, d'élaboration théologique en tout cas, mais que ça va changer parce que au début, le, le, ce qu'on appelle chiisme, alors à ce moment-là, est plutôt proche de la prédestination, il est plutôt ascétique, il dit plutôt que le Coran qu'on a aujourd'hui n'est pas le Coran euh, véritable, donc ils sont plutôt proches dans cette euh, Plutôt des Jabreïs, on va dire. Jabreïs, partisans du, du, de la prédestination, et plutôt euh, austère aussi, un peu, euh, un peu dans cette logique-là. Il va y avoir l'époque des Bouyides, les Bouyri. Les Bouyides, ils vont prendre le pouvoir au Xe siècle, donc c'est une dynastie de sultans, pas de califs. Donc les califs abbassides, sunnites, considérés comme sunnites, et il va y avoir pendant un siècle peut-être, un truc comme ça, le, le sultanat, c'est-à-dire ceux qui vont être les premiers ministres, ceux qui vont exercer le pouvoir, qui sera une dynastie chiite. Qui sera, on dit qu'elle était zaïdite à la base, et qui va devenir euh, plutôt imamite. Mais eux vont aussi faire la bascule entre cette approche première chiite, euh, Coran, qui n'est pas reconnu comme étant le texte canonique, qui est pas... Euh, qui a des trucs qui manquent, euh, ou la... Pr pratisan, partisan de la prédestination, pardon. Et il va avoir un basculement où ils vont se rapprocher un peu des thèses sunnites, mais ça va se faire par l'intermédiaire de grands penseurs très influencés par les moutazilites. On pense à Tosi, on pense à Sheikh al-Murtada qui, qui, ouais, et son frère, qui vont, eux, euh, faire une sorte de bascule entre la pensée chiite ancienne et la pensée chiite nouvelle, qui va être une pensée chiite rationnelle, qui va reconnaître le libre-arbitre, qui va reconnaître le Coran. Euh, canonique, c'est-à-dire le Coran qu'on a tous aujourd'hui qui va reconnaître comme étant le bon. Et eux, ils vont passer à cinq principes. Ils vont avoir Usul Khamsa aussi. Les Usul Khamsa des Chiites Imamiyyas, c'est le Tawhid, al-Adl, al-Miad, al nubuwa et al, al cest C'est-à-dire que si on prend les trois premiers, ah, il y euh, une partie voilà, il y en a qui sont différents et puis euh... les deux derniers, Nubuwwa et al-Imama, donc la prophétie et l'Imama qui sont différents, sont différents. Mais sur les trois premiers, al-Tawhid, al-Adl, al-Miad, si je prends l'expression Mourahtazi, la tawhid, la ou al-ouaïd, mi'ad ou al c'est la même chose. Hein. Ça renvoie à la même idée. Comment vous le traduiriez pour notre public Mi'ad, c'est... Euh, euh, J'ai envie de dire la promesse, mais euh, en ce sens où le... le euh, au pacte, en fait, une sorte de pacte, c'est... Alors ça peut vouloir dire rendez-vous, ou l'appontement, enfin, l'appontement, la, la, c'est un mot anglais, n'importe quoi. C'est le rendez-vous, c'est le mais c'est l'idée en fait du pacte, en fait, le pacte fondamental, c'est-à-dire « fais le bien, tu seras récompensé, fais le mal, tu seras puni ». C'est cette idée-là. Donc on a dans la pensée chiite, à partir du 11 xie siècle, un basculement où le chiisme va, euh, va se rapprocher d'une certaine forme de rationalisme et de théologie spéculative très forte. Et ça, c'est quelque chose que le fameux Kamel Haider, il le dit aussi dans une vidéo, où il dit que le chiisme actuel doit énormément à la pensée murtazila. Donc il y, ça, euh, il y a eu des, des influences, influences réciproques. Est-ce qu'il y a eu des influences du chiisme vers le murtazilisme Bah, en ce sens où on a des <coughs> penseurs euh, murtazilas qui étaient chiites, en ce sens où euh, où ils pensaient. Alors la plupart du temps, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque médiévale, quand on dit chiite, la plupart du temps c'est des ayatites. D'accord. Ce qu'on appelait, euh, les, ce qu'on appelle aujourd'hui y à l'époque l'époque on appelle les raufes, ceux qui ont refusé. En fait, ils ont refusé l'appel de Zayd ibn Ali parce qu'ils ont refusé de reconnaître euh, Abou Bakr et Omar comme des califes euh, orthodoxes, entre guillemets. Mais eux, euh, à l'époque médiévale, quand on disait euh, quelqu'un qu'il était chiite, il y avait 970, c'était un zaïdite. Ce n'est que plus tard que ça a basculé, et surtout à l'époque des Safavides, où le chiisme va devenir doctrine officielle en Iran. Mais donc à l'époque, euh, chiisme en ce sens où des gens qui étaient partisans de Ali et qui vont dire d'ailleurs c'est aussi ma position personnelle c'est l'idée de dire que il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ensuite le maître spirituel après lui c'est lui-même Ali. Abu Bakr et Omar ont été importants d'un point de vue politique parce que la politique a des exigences qui n'est pas celle de la spiritualité. Et donc c'est pour ça que cette fameuse pensée chez al est cest c'est-à-dire que L'autorité temporelle et l'autorité spirituelle n'ont pas les mêmes. Euh, euh, pas les mêmes exigences. C'est pas les mêmes exigences. C les c mêmes ça vous exigences dites, et c'est l'idée de quelqu'un qui est plus méritant d'un point de vue religieux, mais on va mettre à sa place quelqu'un qui est moins méritant religieusement, mais qui correspond mieux à la charge qu'il a effectuée. effectuer. Avdol c'est cette idée-là. Et donc c'est l'idée que spirituellement, le maître après Sayyid Mohammed, c'était Ali, mais que d'un point de vue politique, Abu Bakr et Omar ont été plus compétents politiquement que, que Ali. Mais spirituellement parlant, l'affiliation, c'est Muhammad Ali, c'est pas Boubacar et Omar. Boubacar et Omar, on reconnaît des mérites, mais ils ne sont pas... D'accord. Très Donc, bien. Euh, voilà. Après, la, la question de l'influence, il y a eu des ma'tazilas des, 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 euh, qui étaient... Euh, alors, chiites, je pense au Sheikh el-Murtada, par exemple, ou à tous, qui sont considérés comme, finalement comme des ma'tazilas imamites, Donc, avec toute une avec toute une imamologie ouverte, etc. C'est intéressant parce que ça, ça laisse entendre qu'il y a vraiment une grande proximité entre les deux théologies. Oui, parce qu'il y, y a quand même des... Ah oui, mais... mais euh... Est-ce que c'était des synthèses Est-ce que c'était des... Non, en fait, c'est simplement parce que vous partez sur quelle, euh, quelle idée première Si vous partez sur l'idée première que, euh, que rationnellement, l'usage de la raison euh, en tant qu'autonome de la révélation est sain parce que finalement, il va nous mener à quelque part qui se rapproche du texte. Bah, là, ça vous crée des liens. Que vous soyez chiite, que vous soyez hanafi de stricte observance, que vous soyez mu'tazili, ça crée des liens. Ou même d'autres religions, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça crée des liens. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, Ebou Hashem dont j'ai parlé tout à l'heure en disant que c'était un des plus grands métaphysiciens, ouais. euh, a énormément influencé la pensée juive. On parle même de pensée chrétienne, même si on n'a pas de texte. Euh, mais par exemple, on a découvert les textes de l'école qui va fonder, qu'on appelle l'école Behjameya et dont Raderv de Jabbar est un membre, hein, par exemple, on va trouver des textes de Raderv hein, de Jabbar dans la Geniza du Caire. La Geniza, c'est quoi C'est dans une synagogue, vous prenez une section de la synagogue et vous allez mettre des, des, euh, des Torahs, par exemple, des textes religieux, qui sont trop anciens, qu'on ne peut plus utiliser, donc on ne va pas les jeter, ou on va les mettre dans une sorte de cimetière, un endroit propre, dans une synagogue, où ils vont être enfermés. espèce d'archive euh... Quelque part, quelqu un ouais. c'est une sorte de cimetière de textes dans la synagogue. Et au 19e siècle, il y a un effondrement du, de la synagogue du Geniza, Geniza donc euh, c ça va s'effondrer suite à un tremblement de terre, il me semble. Et on va découvrir, au milieu des textes euh, juifs et en hébreu, on va découvrir des textes de traités théologiques musulmans en arabes. Un peu comme Averroès, Ibn Rushd a influencé euh, et Maïmonide. Euh... Il y a, il y a euh... cette idée, mais même Maïmonide qui répond à, 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 à des auteurs, je pense à Sadia Gaon, qui est un, un auteur euh, juif, mais cela même ont été influencé par un courant juif qui était important à l'époque médiévale qu'on appelle le mouvement karaïte le mouvement karaïte qui était considéré comme du moutazilisme juif donc il, y a, il y a un rapport qui va au delà de, du cercle islamique puisqu'il va avoir un rapport qui va et Maïmonide, il va souvent écrire contre les, les karaïtes mais euh, tout en bénéficiant finalement de cet apport théologique euh, karaïte et donc euh, et en plus il y a une fameuse légende dans laquelle le fondateur du karaïsme aurait rencontré en prison euh, avou Hanif al ils ça étaient fait jetés beau. tous les deux ça, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de filiations, ah, ça de fait... passerelles. Mais oui, mais c'est, tout, donne tout ça, c'est dans les textes. Ouais. Hein. Ouais. Tout ça, on le trouve dans les textes. Anan ibn David, il s'appelait. Et on le trouve dans les textes, toute cette filiation-là. Et donc après... Donc ça montre quand même qu'il y avait beaucoup plus d'échanges et de passerelles et d'influences qu'on ne veut bien l'entendre aujourd'hui, quels que soient les courants d'appartenance. Il y a souvent des présentations un peu cloisonnées. Non, non, mais se il y avait pas beaucoup plus d'influences mutuelles ah, oui, qu'on oui. qu veut bien oui, l'admettre finalement. Qu ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'époque, les gens vivaient ensemble. Ouais. Et que de voisin à voisin, on pouvait être différent. Il y avait même une, une idée, il y avait un auteur euh, karijite et un auteur chiite qui passaient leur temps à, dans, dans des débats, dans des controverses théologiques dans les livres. Et en fait, ils étaient associés ensemble dans une entreprise commerciale. Ah oui, euh... c'est un, un, un grand exemple que vous nous ah, donnez. <laughs> oui, mais il faudrait ouais. que je retrouve les, 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 les noms parce les que non. là, ils m'échappent, mais, euh, mais c'est quand même assez affolant quand on s'aperçoit. Aujourd'hui, on a l'impression que si on est différent, on est voué à s'affronter. À il n'y en a qu'un qui doit rester debout, en fait. Alors que non, non parce qu'au final, au final, tout ce qu'on vient de dire, Allahu Alam, au final, au final. La prééminence est à Dieu, au savoir Exactement. divin. Exactement, c'est Dieu qui sait le mieux. Et Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se repérer, de trouver euh, la manière qui nous met. Elle euh, nous faut Stotmaen, c'est-à-dire que les âmes s'apaisent au contact de comment on voit les choses. Mais après, euh, je ne vais pas venir dire, vous, vous n'êtes pas bah pauvre de vous. Et qui je suis pour dire ça quoi. C est, c est... Après, j'ai mon idée, voilà pourquoi je vois les choses, voilà pourquoi je pense ceci et cela. Mais je... voilà. Merci beaucoup, Fakir Korchan, euh, de cette présentation. Euh, euh, donc, une présentation détaillée du muertazélisme. On a pu aborder euh, dans cette émission en deux parties énormément d'aspects. Évidemment, ce pas, euh, on n'a pas été exhaustif, on ne peut pas l'être, mais je pense que euh, c est, c est, cette émission en deux parties va, va donner pas mal de clés de compréhension. Euh, une, une bonne introduction, on, on peut dire, euh, au murtazilisme. Euh, voilà bien Je bien rappelle bien. que vous êtes le président euh, euh, de l'Association pour la Renaissance de l'Islam Murtaziliste. Vous avez un site internet euh, Murtazilisme.fr. Murtazilisme euh, voilà, donc euh, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, prochainement euh, sur Mizen TV. Merci à vous.